Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous revoici dans une de nos thématiques favorites de l'année, la France et Liège. Et plus spécialement, sans doute le plus illustre des Français, encore que très corse au départ, Napoléon et Liège. Napoléon est venu deux fois à Liège. Vous vous direz, et alors Eh bien, je viens de faire un voyage en Corse. Je crois qu'il n'est pas allé beaucoup plus en Corse une fois qu'il a conquis le pouvoir qu'il n'est venu à Liège. Pourquoi ben, C'était évidemment une ville stratégique et c'est ce qui nous vaut de tels visiteurs de prestige, y compris les conquérants d'ailleurs les plus désagréables. Et le passage à Liège de Napoléon n'est pas inconnu. Tout le monde le sait, il y a notamment ce célèbre portrait de Ingres qui représente Napoléon dans le paysage liégeois. Et Liège lui doit beaucoup d'ailleurs. Notamment, vous savez qu'il y a en Outre-Meuse un quai Bonaparte, ce n'est pas par hasard, c'est que le quartier lui doit beaucoup. Et vous remarquerez, ce n'est pas le quai Napoléon. Je suppose que notre orateur va s'en expliquer. Notre orateur, c'est Pierre Judissen, secrétaire permanent de la commission des monuments et sites, passionné d'histoire, passionné de culture et d'archéologie. Et je crois qu'il va vous faire un exposé qui vous fera bien comprendre que pour nous, Napoléon a été quelqu'un de très important. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous voir si nombreux avoir bravé les températures polaires que nous connaissons ces jours-ci. Vous êtes bien courageux, je vous en remercie. J'en remercie aussi mon ami Arthur Botson et mon ami Bruno de Moulin qui ont eu tous deux l'idée et l'imprudence de me demander à parler euh, de Napoléon. Commençons par le vif du sujet. Parlera de sa gloire sous le chauve bien longtemps. L'humble toit, dans cinquante ans, ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois. Dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère abrégée, notre veille. Bien dit-on qu'il nous est lui Le peuple le révère Oui, le révère Parlez-nous de lui, grand-mère Grand-mère, parlez-nous de lui Parlez-nous de lui, grand-mère Grand-mère, parlez-nous de lui Parlez-nous de lui. Chanson de Béranger, datée de 1828, et qui inaugure littéralement la grande épopée napoléonienne. Ça a eu un succès fou pendant tout le 19e siècle. Je n'ai rien d'une grand-mère, je ne suis même pas grand-père d'ailleurs, mais je vais quand même vous parler de lui, de lui et de Liège bien entendu. D'emblée, il m'a semblé utile de se poser la question de savoir ce que Napoléon savait, ce que Napoléon pensait de Liège, et inversement, comment les Liégeois d'alors ont vécu cette période absolument unique dans l'histoire, euh, dans leur relation avec, avec Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, le général d'abord, le premier consul, Napoléon Bonaparte, ensuite, et enfin l'empereur Napoléon Ier, l'empereur des Français. Alors reportons-nous au moment de la Révolution. Voilà une carte que vous connaissez bien, puisque pratiquement tous les conférenciers qui sont succédés à cette tribune la montrent. Je la montre aussi. C'est évidemment la Principauté qui ressemble à une dentelle de Bruges, tellement elle est euh, parsemée de trous. C'est typique de ces territoires de l'Ancien Régime. Alors, euh, on peut imaginer, on ne peut faire qu'imaginer plus exactement, que lors de ses cours de géographie à l'école de Brienne, où il est entré en mai 1779, Napoléon était très assidu des cours de mathématiques, des cours d'histoire, mais aussi des cours de géographie. On ne sait malheureusement rien du contenu de ces cours de géographie qu'il a eus à Brienne, où il reste jusqu'octobre 1784. Par contre, à l'école militaire de Paris, où il entre le 30 octobre 1784, là, il y a un vrai cours de géographie très sérieux donné par M. de Lesguy. Là, on a son nom. M. de Lesgui est resté célèbre. Que pour une seule phrase, qu'il a écrite dans un rapport à propos de Napoléon et Bonaparte, et il a écrit Il ira loin si les circonstances le favorisent. Il est plus que vraisemblable, évidemment, qu'à ce cours de géographie à l'école militaire, on a parlé des anciens Pays-Bas et, au sens large, donc y compris de la principauté de Liège, vu l'importance stratégique que nos pays ont toujours rencontrée. Le nombre de guerres et de campagnes qui s'y sont succédées font qu'il est impossible que Napoléon n'ait pas entendu parler de Liège à ce cours de géographie à l'école militaire. Alors, on connaît une série de manuscrits que Napoléon a rédigés dans sa jeunesse, lorsqu'il était à l'école militaire, lorsqu'il était jeune officier d'artillerie, et euh, ces manuscrits, il les a gardés pratiquement toute sa vie, en tout cas jusqu'à la seconde abdication en juillet 1815. Et euh, après bien des vicissitudes, euh, ils ont été retrouvés par le grand historien Napoléon, napoléonien Frédéric Masson, et Frédéric Masson les a publiés à la fin du XIXe siècle. Et il y en a notamment une qui est consacrée à la géographie. Après la lecture de cet ouvrage que vous voyez, la géographie moderne de la Delacroix, de la Croix, euh, ouvrage qui a eu un succès incroyable à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas, voilà, ça oui, euh, et qui a été réédité jusque 1830 en de multiples éditions, et Napoléon a rédigé toute une note sur euh, cette euh, cette édition de la géographie moderne, mais on n'y dit pratiquement rien de Liège, on y dit que c'est sur la Meuse, qu'il y a un évêque, que c'est le chapitre qui élit l'évêque, en fait des banalités de ce genre-là, et donc c'est probablement tout ce que c'est Napoléon de Liège avant le début de la Révolution. Euh, je ne résiste pas au plaisir ou à l'envie de vous montrer la dernière page de ce manuscrit qui a été édité par Frédéric Masson. Et j'attire votre attention sur les quatre mots qui sont à la fin de ces notes Sainte-Hélène, petite île. Mystère absolu. Pourquoi Napoléon, qui n'avait que 20 ans, a-t-il écrit ces mots au pied de cette note sur la géographie. En tout cas, on peut dire que au moment où Liège entre dans la grande histoire de la Révolution, donc au moment de la première entrée de l'armée française en 1793 et puis de la seconde entrée en 1794, on ignore absolument tout bien entendu de ce jeune et obscur officier d'artillerie. Et pourtant, et pourtant, son rôle capital, il faut le dire, dans la chute du port de Toulon en décembre 1793, constitue véritablement le début du commencement de sa carrière militaire. Et d'ailleurs, euh, il est nommé général, il passe directement de capitaine du grade de capitaine au grade de général à l'issue de ce euh, siège. Les Anglais sont obligés de quitter Toulon et la presse liégeoise de l'époque, qui était toujours sous la férule de... Du prince évêque, puisque nous sommes là en décembre 1793, parle beaucoup beaucoup de ce siège de Toulon, donne énormément de détails sur les opérations militaires, et son nom est cependant passé totalement sous silence, alors que sans lui, le, euh, Toulon ne serait jamais tombé. On pourrait penser que quelque temps plus tard, en Vendémir de l'an IV, la fameuse journée du 13 Vendémiaire, où on mate la L'émeute royaliste à Paris euh, révélerait la personnalité de Bonaparte dans la presse, puisqu'on sait, et la gravure le représente, il y a la fameux, le fameux épisode de la canonnade des émeutiers sur les degrés de Saint-Roch, qui font que euh, l'aventure royaliste est coupée nette, grâce à Bonaparte. Son nom n'est absolument pas cité dans la presse liégeoise, comme s'il n'existait pas. On ne cite que Barras qui euh, est nommé général euh, de la garnison de Paris et de l'armée de l'intérieur, c'est la seule chose qui figure dans la gazette de Liège de l'époque. Et il faudra attendre des premières victoires de la campagne d'Italie au printemps 1796, les batailles de Montenotte et de Millesimo pour voir pour la première fois le nom Bonaparte inscrit dans un journal liégeois. Il faut dire que euh, ce n'est pas banal ce qui se passe. Les armées françaises connaissent des défaites en nombre sur le Rhin, sur la Moselle. Ça ne se passe pas très bien. Napoléon est mis à la tête d'une petite armée qui est en très mauvais état, qui a très peu de moyens. Et cependant, lui, tout de suite, d'emblée, il bat tout le monde. Il bat les Autrichiens, il bat les Piémontais. Et. Euh, vous remarquerez que c'est un numéro dit supplément extraordinaire à la Gazette de Liège qui est publié. Ce sont donc des numéros spéciaux, en réalité, de la Gazette de Liège, qui sont publiés pour euh, ces communiqués, euh, qui sont rédigés par Bonaparte lui-même et envoyés au directoire. Et à partir de ce moment-là, des numéros spéciaux de la Gazette de Liège, il y en aura tout le temps, pendant des mois et des mois. Ça n'arrête pas. Euh, on ne parle que de Bonaparte. Et, euh, tous ces communiqués sont retranscrits euh, in extenso. Voilà encore un, un autre exemple. Euh, et, <coughs> excusez-moi, euh, remarquez qu'à ce moment-là, le décalage entre les événements sur place et leurs relations de la presse liégeoise est d'environ 2 à trois semaines. Deux à trois semaines. Et puis donc ça marche très fort, la campagne d'Italie avance vraiment très très bien. Euh, assez rapidement, dès le 28 avril, les Piémontais sont obligés de demander un armistice, et ce sera l'armistice de Chiarasco. Euh, et euh, puis ce sera la victoire euh, du pont de Lodi, l'entrée dans Milan et la libération complète de la Lombardie. Il faut se dire qu'il y a un événement qui va particulièrement frapper les Liégeois et les, tous les Français de façon générale, c'est l'affaire du pont d'Arcole. L'affaire du pont d'Arcole est décrite avec beaucoup de détails dans la gazette de Liège et elle doit susciter une admiration tout à fait particulière. En réalité, la gazette publie une dépêche du général Berthier. Du 5 décembre 1796, qui donne beaucoup de détails sur cette bataille. C'est plus un combat qu'une bataille, mais il a frappé les, les esprits. Je vous lis un extrait. Le général Bonaparte se porte avec tout son état-major à la tête de la colonne. Il s'écrie Mes braves camarades, mes frères d'armes, vous êtes les mêmes qui avez forcé le pont de Lodi. Un mouvement d'enthousiasme se manifeste dans les troupes. Le général se jette à bas de son cheval, saisit un drapeau s'élance à la tête des grenadiers et court sur le pont en criant Suivez votre général et toute la colonne s'ébranle. Alors on sait très bien que la scène ne s'est pas tout à fait passée comme ça, mais en tout cas c'est ce qui a été écrit dans les journaux et c'est ce qui est représenté sur à peu près tous les tableaux qui ont été faits sur cette célèbre bataille euh, du pont d'Arcole. Mais il faut en retenir ce que le lecteur liégeois a pu en avoir comme impression. À l'époque, un général en chef... Qui s'expose ainsi en première ligne, à la tête de ces hommes, c'est tout simplement du jamais vu. Et on peut dire que la légende napoléonienne commence à s'ancrer dans les esprits avec ce genre de descriptif qui paraît dans le journal et que tout le monde peut lire. Et puis, avril 1797, c'est le traité de Beauben. Le traité de Beauben, il met fin à la guerre avec les Autrichiens. Et c'est très important, et c'est notamment très important pour Liège, parce que grâce à ce traité qui est rédigé par Napoléon Bonaparte seul, donc dans les faits, il impose les conditions du traité non seulement aux Autrichiens, mais à son propre gouvernement, c'est-à-dire au directoire, qui est bien obligé de dire amen à ce que Bonaparte a décidé dans ce traité de paix. Et il y a un élément qui nous laisse là vraiment supposer que toutes les subtilités géopolitiques de nos régions ne lui ont pas échappé dans le cadre de la rédaction de ce traité de Léoben, puisqu'il écrira En vertu des accords de Léoben, qui précisent que sont réunis au territoire français tous les pays en deçà du Rhin, qui étaient avant la guerre actuelle sous domination de l'Autriche, Rurmonde se trouve être à nous. Or, c'est vrai, faisait partie d'un petit territoire, je me tourne vers Bruno, ça lui dit sûrement quelque chose, euh, qu'on appelait la Gueldre-Autrichienne, depuis 1716. Euh, et donc, la place de Liège et de son ancienne principauté, qui est un territoire infiniment plus important que la Gueldre-Autrichienne, ne peut évidemment lui avoir échappé. C'est le traité de Campoformio, quelques mois plus tard, qui vient Confirmer officiellement les accords de Léobène et la Gazette annonce la paix avec un point d'exclamation et Bonaparte incarne cette paix qui arrive et c'est la première fois qu'il y a un traité de paix depuis le début des guerres de la Révolution et c'est Bonaparte qui l'impose. Alors euh, il faut bien être conscient que ici nous avons affaire au premier rapport majeur. De Napoléon dans le euh, destin de Liège. Car c'est avec ce traité de Campo Formo que l'ancienne principauté entre juridiquement dans le euh, giron de la République française. Car jusqu'alors, euh, c'était des instruments juridiques français unilatéraux qui avaient réuni les départements belges et liégeois à la République française. C'était d'abord le décret du 8 mai 1793 puis la loi du 1er octobre 1795 qui annexait ces territoires. Mais ça n'engageait que le gouvernement français, puisque c'était un acte unilatéral. Il faudra donc attendre ce premier traité de paix pour voir cette annexion de fait confirmée en droit international. Et puis la guerre recommençant très peu de temps après, et Napoléon, alors réglé la circulation à Marengo en juin 1800, impose un second traité, qui est le traité de Lunéville qui confirme que l'Autriche renonce à perpétuité à tous les territoires des anciens Pays-Bas. Alors, il faut bien dire que bon, les Liégeois sortaient d'une période qui n'était vraiment pas facile puisque sous le Directoire, certes, il y avait les bons côtés du régime, on réorganisait les choses de façon sérieuse sur le plan juridique, on supprimait déjà l'ancien régime, ce qui n'était pas une mince affaire. Euh, mais à côté de cela, il y avait une réorganisation judiciaire aussi qui manquait beaucoup et qui se fait à ce moment-là. Mais le commerce et l'industrie sont pratiquement détruits. Les élites ont quitté le pays et pour beaucoup ont émigré en Allemagne. Et le territoire est littéralement rançonné par l'armée française qui est toujours en pleine opération militaire sur le Rhin et sur la Moselle. Et donc ces préoccupations sont essentiellement stratégiques. Euh, et donc on assiste à des réquisitions en série, euh, des chevaux, du bétail, des vivres, du charbon, enfin à peu près tout, et le pays de Liège est dans un triste état au moment où Napoléon revient de la campagne d'Égypte. Il trouve la République d'ailleurs pas bien dans un meilleur état que le reste du territoire de la France, avec un gouvernement qui est corrompu, qui est terriblement affaibli et des armées, comme je l'ai dit, qui connaissent des défaites, en Allemagne principalement. Et donc, que fait, que fait pardon, <laughs> le général Bonaparte Eh bien, il prend le pouvoir par un coup d'État militaire, dit du 18 Brumaire, alors que le mystère absolu, il a eu lieu le 19. Allez savoir pourquoi. Et donc, euh, c'est un nouveau chef, jeune, énergique, qui balaye toute la vieille clique du directoire. Et ça, forcément, la population, et singulièrement la population liégeoise, n'a pu qu'en être impressionnée. Il faut savoir que Liège, juridiquement, est depuis l'annexion, depuis 1795, le, la préfecture du département de l'Ourthe. Euh, ce département, je, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, je crois, dans les conférences, mais je vais le redire. Euh, est souvent assimilé à la province de Liège, ce n'est que très partiellement vrai, car il était nettement plus grand que la province de Liège, puisqu'il y avait plusieurs cantons qui se trouvent aujourd'hui de l'autre côté de la frontière en Allemagne, et également de l'autre côté de la frontière, mais linguistique, cette fois-ci, en Flandre. Napoléon a introduit très rapidement un, une, une réforme, non pas des départements en tant que tels, mais de leur organisation, avec l'introduction d'un poste capital qui existe toujours, c'est-à-dire le poste de préfet, préfet et sous-préfet. Et euh, il faut toujours se souvenir que Napoléon était très attaché à cette façon de gérer les affaires publiques, et il avait une formule qu'il avait résumée euh, lorsqu'il euh, parlait avec Lascaz à Sainte-Hélène, il avait dit les préfets, avec toute l'autorité et les ressources locales dont ils se trouvaient investis, étaient eux-mêmes des empereurs ou petits-pieds. Et effectivement, le préfet est la clé de voûte du pouvoir napoléonien. Il est le représentant de l'État. Il agit, décide et exécute seul. Il est le premier personnage du de, 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 de département. Il exerce son pouvoir via la police et l'armée, si c'est nécessaire. C'est l'homme. De la situation. Et le premier préfet qui est nommé par Napoléon à Liège, c'est Antoine Desmousseaux. Alors Antoine Desmousseaux, c'est un Parisien bon Il est très rapidement, dans les tout premiers jours de la Révolution, dès juillet 1789, euh, il est tout à fait dans le camp des patriotes. Il occupe des fonctions importantes, notamment en matière de police à la mairie de Paris, euh, et il les occupe jusque. La prise des Tuileries, jusque la chute de la monarchie en août 1790. Pardon, et Bonaparte, euh, pendant la période de la terreur euh, des Mousseaux, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, il se cache, euh, mais il évite en tout cas euh, le grand coup prénational. Et euh, lorsque Bonaparte prend le pouvoir euh, après le 18 Brumaire, il est désigné comme membre du tribunal. Le tribunal était une des assemblées parlementaires qui avait été créée par le consulat et qui disparaîtra d'ailleurs assez rapidement. Il n'y reste pas longtemps. Trois mois plus tard, Napoléon le désigne préfet du département de l'Ourthe et il vient prendre ses fonctions à Liège. Il, re... il y restera jusque 1806, date à laquelle il sera nommé préfet de la Haute-Garonne et ira prendre ses fonctions à Toulouse. Alors Desmousseau est un personnage extrêmement intéressant, assez subtil, assez méconnu finalement, et il nécessiterait une conférence presque à lui seul. Euh, il avait très mauvais caractère, paraît-il, il, il n'était pas aimé des Liégeois, et cependant, euh, cet homme a fait beaucoup, il a travaillé beaucoup, beaucoup, c'était un grand fonctionnaire euh, pour Liège, et je vais prendre simplement deux exemples, mais je pourrais en prendre 100. Euh, qui est d'abord le cas de la cathédrale Saint-Lambert. Lorsque Desmousseau atterrit à Liège, la cathédrale est déjà dans l'état que vous voyez ici, c'est-à-dire très largement ruinée. Il reste en gros les murs de la nef et les deux tours de sable. Et la situation est tout simplement catastrophique, en ce sens que les murs n'ayant plus de stabilité, euh, ça pose des, de grands problèmes de sécurité en plein centre-ville. En plus, tout le monde va y jeter ses crasses, c'est devenu un tas d'immondices épouvantables, ce qui pose des problèmes de salubrité dans la ville même, ça pose des problèmes de circulation de la même façon, et en plus, pour comble de tout, dès la nuit tombée, ça devient un repère de malveillants, voleurs et autres criminels, euh, et donc Desmousseau décide de mettre fin à la, à la situation, d'abord en assainissant le site, en faisant retirer toutes les immondices de, de la cathédrale et en la faisant euh, clôturer pour empêcher qu'on puisse y accéder. Et c'est sur sa proposition que Napoléon décide de confier à la ville de Liège euh, ce qui reste de la cathédrale et d'y construire une nouvelle place publique qui deviendra plus tard la place Saint-Lambert. De la même façon, si l'on doit un élément important de notre patrimoine liégeois, à Desmousseau, c'est la Collégiale Saint-Jacques, l'ancienne église abbatiale de Saint-Jacques, qui figurait sur la liste des biens nationaux. Il y avait plusieurs entrepreneurs qui avaient déposé une offre pour la démolir et récupérer les matériaux. Desmousseau s'y oppose et décide de la retirer de la liste des biens nationaux, ce qui a sauvé Saint-Jacques d'une démolition certaine. Donc on ne peut pas dire que quand on fait... Le, le, le comte, euh, les Liégeois, aient eu beaucoup à se plaindre de cet homme qui, cependant, avait mauvais caractère. Un autre personnage qui intervient, et qui est très intéressant aussi, et qui lui a été plus étudié que des Mousseaux, c'est Monseigneur Zapfel. Alors, Monseigneur Zapfel, c'est l'évêque de Liège. Vous savez que Napoléon avait signé un concordat avec l'Église catholique, et donc on redésigne des évêques. Il n'y avait plus d'évêques à Liège depuis presque dix ans à ce moment-là. Et euh, Mgr Zaffel était alsacien. Et ça a sans doute joué en sa faveur, car le diocèse qu'il devait euh, gérer était euh, plus grand que simplement la, le département de Lourdes. Il couvrait notamment le département de la Meuse-Inférieure, c'est-à-dire le Limbourg-Hollandais actuel. Et donc son diocèse était trilingue, puisqu'on lui parlait à la fois le néerlandais, le français, mais aussi l'allemand. Et euh, étant Alsacien, il connaissait bien ce genre de situation et ça a dû sûrement l'aider pour euh, s'imposer, ce qu'il fait euh, assez facilement finalement. Euh, c'est un homme euh, d'un âge quasi canonique, il a 66 ans quand il est nommé, donc c'est une fin de carrière, on dit compte deux ans de plus que moi, ça en fait vraiment un vieillard. Et, et tout de suite, il s'investit très fort dans, dans sa mission. Il doit réorganiser un chapitre puisqu'il n'y a plus de chapitre cathédrale. Il doit réorganiser les paroisses euh, et il doit aussi tenter et il y réussit partiellement de récupérer ce qui restait alors du trésor de l'ancienne cathédrale Saint Lambert qui, qui était parti en Allemagne. Et il récupère notamment le célèbre buste reliquaire de Saint Lambert que vous pouvez tous admirer au trésor de la cathédrale. Le problème, c'est qu'il veut tout faire, il veut tout voir lui-même, et sa santé s'altère, et finalement, il meurt en octobre 1808. Alors il faut maintenant évoquer un moment tout à fait clé dans la relation entre Napoléon et Liège. C'est bien entendu le voyage du premier consul euh, au, à l'été de 1803. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la situation s'est fortement dégradée sur le plan diplomatique. Et que le traité qui existait avec les Anglais euh, saute à cause de l'affaire de Malte, et Napoléon euh, décide de monter une armée et une flotte pour envahir l'Angleterre, au camp de Boulogne. C'est très célèbre. Bon. Et pour ce faire, il décide d'une grande tournée de tous les départements du Nord, partant depuis Dunkerque jusqu'à Liège, en arc de cercle comme ça, donc il passe par Ostend, par Anvers, Bruxelles et Liège. Il termine par Liège. Et dans cette perspective, il met un homme à Louis dans une mission secrète qui est le général de gendarmerie Lagrange. Alors Lagrange, il n'est pas très connu, néanmoins c'était des grands patrons de la gendarmerie. Napoléon l'avait connu pendant la campagne d'Égypte, donc il y avait un lien de confiance qui existait entre les deux hommes. Et il le charge, sous prétexte d'une tournée d'inspection des légions de gendarmerie, de faire exactement le voyage qu'il fera quelques mois plus tard et d'aller fourrer son tout de lui faire des rapports surtout et d'avoir une vue la plus exacte possible de l'état des départements que le premier consul sera amené à traverser. Et les. Les instructions qu'il donne à Lagrange sont, vous allez le voir, assez euh, précises. Il lui écrit, vous enverrez à moi seul votre rapport sur la mission particulière et toute de confiance dont je vous charge. Vous m'enverrez les notes que vous recueillerez sur les préfets, les sous-préfets, les maires des principales communes, sur les évêques et autres ecclésiastiques, sur l'état des chemins, le prix des subsistances, la manière dont s'annonce la récolte, sur la contrebande, les services des douanes, l'esprit de chaque corps, de chaque demi-brigade, sur les chefs, sur le nombre des conscrits, sur leur habillement en habit neuf ou vieux, enfin un aperçu général qui puisse me mettre au fait de ces objets importants et de tout ce qui peut m'intéresser sous le point de vue militaire et d'administration. Et là, on reconnaît bien la façon dont Napoléon gère ses affaires il n'y a pas de petits détails pour Napoléon. Il va toujours jusqu'au bout des choses pour avoir une vue complète avant de pouvoir prendre une décision. Et à côté de cela, Desmousseau euh, apparaît, comme la légende nous le dit, car dans sa, dans un, on a gardé tous les documents que Lagrange a envoyés au premier consul, ça a été conservé et donc le rapport sur le département de Lourdes est assez long et détaillé, et sur Desmousseaux, il dit « C'est un homme d'esprit, ayant des connaissances en administration. On lui reproche de ne pas les étendre assez sur des objets généraux et d'utilité publique, comme les manufactures et les exploitations de mines, et avec un esprit dominateur de s'occuper trop de toutes ces petitesse de prétention, ce qui éloigne beaucoup de monde et le met mal avec les militaires. Il est certain que il ne paraît pas être aimé. Donc tout ça confirme bien ce qu'on pense sur Des Mousseaux. Des qui, de son côté, a publié quelques semaines avant l'arrivée, quelques mois, pardon, avant l'arrivée euh, du Premier Consul à Liège, euh, un rapport, euh, une plaquette d'une cinquantaine de pages sur euh, son département, qu'il intitule Statistiques du département de l'Ourthe", qui fut bien entendu envoyé au premier consul avant. De partir de Paris pour son voyage dans le Nord. Et tous les domaines y sont synthétiquement abordés. La géographie, la population, la fiscalité, la justice, la police, la mendicité, les communications, l'agriculture, les forêts, les manufactures, le commerce, l'instruction publique et même la géologie, la faune et la flore, mon cher Vincent. Voilà donc le premier consul très bien renseigné sur Liège avant d'y mettre le premier pied. Et cette fameuse visite a lieu les 1er et 2 août 1803. Par chance, il fait très beau et euh, les Liégeois sont venus euh, en nombre, en très grand nombre, sur le chemin que le cortège euh, consulaire va prendre. Euh, des milliers de gens sont arrivés des campagnes. Les gens ont logé la nuit, le long du trajet, pour être sûrs d'être bien installés le lendemain. On ne savait pas très bien à quelle heure le premier consul allait arriver. Et il le découvre exactement comme celui-ci, comme ce tableau de Gérard peint la même année. En ce sens qu'il découvre un homme encore jeune, il n'a pas encore 34 ans, on n'a dit pas très grand, 1,69 m, c'est la taille moyenne des hommes de son époque. Et il apparaît surtout dans un simple uniforme son simple uniforme vert d'officier des chasseurs, qui restera célèbre, et qu'il porte sans décoration, car à l'époque, la Légion d'honneur est déjà instaurée, mais n'est pas encore organisée, donc personne ne la porte encore, même pas lui. Et euh, donc ça impressionne quand même, on se dit c'est le chef de l'État, et il porte simplement une petite tenue d'officier euh, sans prétention, en somme. Et donc euh, le premier consul arrive accompagné de son épouse Joséphine de Beauharnais et d'une très nombreuse suite. Euh, il, a, il venait de Maastricht puisqu'il avait logé à Maastricht la nuit d'avant et il arrive par euh, Conromeuse, où il est accueilli officiellement, lui remet les clés de la ville, enfin ce genre de manifestation classique lorsqu'un chef d'État fait sa première entrée dans une ville et on l'a installé à ce moment-là. À la préfecture, qui est installée depuis quelque temps à l'ancien hôtel de M. de Beaumale, qui a été ensuite musée d'armes et qui maintenant est intégré au Grand Cursus, et où des appartements ont été préparés pour le couple. Et euh, à l'hôtel de M. de Beaumale ne longeront avec le couple consulaire que quelques personnes, notamment le, le, voilà, Joséphine dans toute sa beauté de l'époque, notamment le général Duroc qui est à ce moment-là le gouverneur des Tuileries et qui est maître de cérémonie. Menval, qui est le nouveau secrétaire particulier du premier consul, et il a remplacé le fameux Bourrienne, qui était un ami de jeunesse, un ami d'enfance, même presque euh, de Bonaparte, mais les deux hommes s'étaient disputés, et donc il est remplacé par, euh, par Menval. De Madame de Rémusat, qui était la dame d'honneur de euh, Joséphine de Boarnet, et qui a laissé des mémoires bien connues et qui sont régulièrement utilisées dans la recherche sur cette époque. Et enfin, le fameux Constant, qui était le premier valet de chambre du premier consul, qui restera le premier valet de chambre de l'empereur jusqu'en 1814. Il faut savoir que Constant était belge, figurez-vous. Il venait de la province de Hainaut et son vrai nom était Wery. Constant, c'était son prénom. Et ce sont les seules personnes qui logeront. Avec le couple consulaire à l'hôtel de M de Beaumal, euh, j'ai repris quelques-uns des personnalités les plus célèbres qui faisaient partie de la suite à Liège, mais qui ont logé un peu partout dans la ville, dans des hôtels particuliers réquisitionnés ou dans des chambres d'hôtel. C'est notamment le cas de, euh, du, mar, du à l'époque, Général Soult, qui commandait euh, la garde consulaire d'Hugues Marais qui deviendra secrétaire d'État. Hugues Marais fait partie du premier cercle napoléonien, il fait partie vraiment des hommes de confiance pour tout ce qui concerne la diplomatie. D'un autre personnage capital, et nous aurons l'occasion de reparler, qui est Gaspard Monge, le grand mathématicien, qui a été fait sénateur et vice-président du Sénat par Bonaparte quelque temps auparavant. De son collègue, le grand chimiste Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et enfin Eugène de Beauharnais, qui était, comme vous le savez, le fils de Joséphine de Beauharnais, le beau-fils de Napoléon, et qui à ce moment-là était commandant des chasseurs à cheval de la garde consulaire. Alors le, le premier consul passe sa journée de travail avec le préfet, euh, les hauts fonctionnaires de la préfecture, et un homme qui restera quand même dans les annales liégeoises, le général Loison. Loison est à ce moment-là le commandant de la 25e division militaire. Et cette 25e division militaire a son siège à Liège. Il n'y a que 25 divisions militaires pour l'ensemble du territoire de la République et puis de l'Empire après. Et donc c'est un élément fort important dans le rôle que l'on donne à Liège à cette époque. Liège n'est pas que le siège de la préfecture, c'est aussi le siège de la division militaire, ce qui est extrêmement important. D'autant plus qu'elle couvrait un territoire immense, puisque cette division couvrait à la fois le département de l'ourthe, de et meuse cest c'est-à-dire Namur, de la Meuse inférieure, c'est-à-dire Maastricht mais aussi de départements allemands, le département de la Lippe, des Bouches-du-Rhin et de la Roure. Euh, un peu plus tard, en fin d'après-midi, Napoléon décide d'aller visiter la citadelle. Il n'est pas très impressionné, parce que la citadelle est déjà dans un très mauvais état à ce moment-là. Puis on l'emmène visiter le champ de bataille de recours, où les armées de Louis XV avaient gagné 57 ans auparavant, et en redescendant sur la ville, on l'arrête dans le mont Saint-Martin et on le fait aller sur la grande terrasse de l'hôtel Steen de Jeuet, d'où il pouvait embrasser toute la vue sur la ville et la vallée. Et on a raconté beaucoup de choses sur les impressions de Liège euh, dont il aurait fait part à, euh, aux personnes qui l'accompagnaient. Euh, on lui a montré notamment les hauteurs de Cornillon, d'où les Autrichiens avaient bombardé la ville en juillet 1794. Il a dit, c'était très bien, ils ont une excellente position stratégique, les Autrichiens. Là, là c'était l'artilleur qui parlait. Euh, on lui a montré aussi la nouvelle, nouvelle cathédrale, puisque Saint-Lambert était démoli ou à peu près. Donc, on lui montre Saint-Paul. Saint-Paul n'avait pas de tour, ce n'était qu'une simple collégiale. Il dit, c'est pas possible. Une cathédrale, ça a une tour, il faut, il faut une tour à cette église. Et effectivement, ses désirs sont des ordres. Et quelques années plus tard, la tour est construite, et vous la connaissez tous, c'est la tour de Saint-Paul aujourd'hui. À propos de la collégiale Saint-Jean, il aurait dit, on dirait un chameau bossu d'Égypte. <laughs> et puis évidemment, immanquablement, il voit l'état lamentable de la cathédrale, et il dit que c'est une destruction absolument stupide. Alors le soir, il y a une... Grande fête à la préfecture, il y a un grand orchestre monté sur un bateau sur la Meuse, enfin la soirée est fastueuse. Et le lendemain, le 2 août, le premier consul, après des séances de travail avec les militaires et les magistrats, décide d'aller passer en revue les troupes qui se trouvent à l'ancien couvent du Val des Écoliers, qui est devenu par après la caserne Cavalier-Fonc et qui abrite aujourd'hui les services de la faculté d'architecture. De l'université. Et puis, en fin de journée, on l'amène à Mercœur. Et là, la situation est désolante. Il n'y a rien de réparé depuis que les Autrichiens ont fait brûler tout le quartier une partie du quartier d'Outremeuse. Les habitants sont sans logis, ils sont dans un état lamentable. Ils viennent trouver le premier consul qui, d'après les témoignages, se serait monté très. Euh, réceptif à leur demande, il dépose des pétitions et en rentrant à la préfecture, il décide de prendre le décret qui est resté fameux sous le nom de décret d'Amercoeur, qui euh, accorde un financement de 300 000 francs pour reconstruire le quartier euh, d'Amercœur. Et le soir, grand bal à l'hôtel de ville, et il apparaît, mon cher Arthur, dans le fameux uniforme rouge qui était l'uniforme de Premier Consul, qui était la tenue officielle du chef de l'État. Et évidemment, ça impressionne tout le monde de voir cet homme arriver dans cet uniforme rouge brodé d'or. Et euh, c'est dans cet uniforme qu'il apparaît donc sur ce tableau de Ingres, qui, euh, faut-il le dire, demande un petit mot d'explication. D'abord, pourquoi Ingre on pourrait considérer que c'est une chance incroyable, et c'en est une, euh, que justement le portrait qui était dessiné à Liège ait été fait par Ingres. Il faut savoir que Ingres était totalement inconnu, il était extrêmement jeune lorsque ce tableau lui a été commandé, et c'est une chance que ce soit tombé sur Liège, ça aurait pu tomber sur n'importe quelle autre ville, car à ce moment-là, le gouvernement avait décidé de populariser l'image du chef de l'État dans l'ensemble des préfectures. Il était prévu que qu'un euh, très grand nombre de peintres ont été commissionnés pour faire des portraits du chef de l'État. On a eu de la veine, c'est tombé, euh, tombé sur Ingres. Alors ce tableau, ben, il recèle deux, trois détails qui valent la peine d'être soulevés. Le premier, c'est qu'effectivement, on est très peu de temps après la signature du Concordat, et donc vous trouvez en fond de tableau la cathédrale Saint-Lambert, comme si elle était toujours euh, rutilante avant la Révolution, alors que nous savons tous qu'elle est démolie. Référence donc évidente à l'accord avec l'Église catholique. Et d'autre part, sous la main droite du Premier Consul, vous trouvez le fameux décret d'Amercoeur, signé donc à Liège pour reconstruire le faubourg d'Amercoeur. Ce n'est pas le seul portrait qui a été fait pour immortaliser la visite de 1803. Un graveur liégeois, Jehot, cette même année, a fait cette gravure qui a été mise en vente à Liège au moment de la visite. Bien sûr, c'est plus modeste et c'est plus naïf, je dirais, comme composition, mais ça représente bien Napoléon tel qu'il est arrivé, tel que les Liégeois ont pu le découvrir dans son petit uniforme de capitaine des, euh, des chasseurs à cheval, euh, sans décoration, je le dis. Et vous retrouvez en dessous, dans le cartouche du dessous, la vue du quartier d'Amercœur euh, qui avait donc été euh, démoli référence aussi à l'aide financière apportée par le chef de l'État pour la reconstruction du quartier. Il avait d'ailleurs été décidé pour symboliser euh, cette visite et symboliser l'aide pour Amercœur de construire un monument commémoratif en marbre et il avait même été prévu que ce monument commémoratif serait inauguré euh, en probablement 1805 par l'impératrice Joséphine. Le monument n'a jamais été construit. Et donc cette inauguration n'a jamais eu lieu. Mais, mais, nous avons retrouvé, il y a pas très longtemps, il y trois ans, grâce à un collectionneur liégeois, une plaque de cuivre, probablement gravée par Johot, justement, qui était la maquette, si vous voulez, de ce qu'aurait dû être l'inscription sur ce monument commémoratif. Et on y retrouve tous les détails, le nom du maire euh, et la présence de Sa Majesté impériale. L'impératrice Joséphine, il n'y a que la date qui ne figure pas sur la plaque. Et pour cause, puisque cette inauguration n'a jamais eu lieu. Ce collectionneur a donné la plaque de cuivre à l'Institut archéologique liégeois qu'il a mis en dépôt au Grand Cursus. Il faut se dire maintenant que, euh, et c'était une question de notre président tout à l'heure, euh, le faubourg d'Amercoeur a changé de nom en 1803. Quelques semaines après la visite, le maire, Bailly, a proposé au conseil communal de dénommer le faubourg d'Amercoeur en faubourg Bonaparte. Et le nom est resté faubourg Bonaparte jusque 1814, jusque la fin du régime impérial à Liège. Il faut dire maintenant quelques mots sur ce qui a le plus impressionné Napoléon dans cette visite qu'il a rendue à Liège en 1803. Et la première chose, c'est les capacités industrielles du bassin de Liège. Liège était déjà connu pour ses fonderies. Vous voyez ici un des nombreux tableaux que Léonard de France a fait de cette activité sidérurgique à la fin du XVIIIe siècle. Et donc euh, Napoléon a beaucoup interrogé les liégeois dans ses conversations à la préfecture sur les capacités euh, de la chirurgie, mais aussi et surtout des manufactures d'armes qui étaient déjà très euh, célèbres à ce moment-là. Et dans une euh, lettre qu'il adresse au général Berthier euh, de Sedan, donc quelques jours après sa visite liégeoise, en, en redescendant pour redescendre à Paris, il écrit la chose suivante J'ai vu en grand détail les manufactures d'armes de Liège et de Charleville, qui ne fournissent cette année que 14 000 armes. Elles en auraient fourni davantage si elles avaient eu assez de platine et de montures. À Liège, j'ai longtemps discuté les différents intérêts. Cette manufacture devra en fournir 40 000. Donc Napoléon s'est déjà fait son idée de ce qui était exactement nos capacités industrielles et des objectifs économiques qu'il fallait leur donner. Et pour ça, pour ça, il va nommer un homme à lui, dont nous avons parlé il y a quelques instants, c'est Gaspard Monge. Gaspard Monge, qui était donc un grand scientifique, euh, qui avait euh, été ministre de la Marine euh, à l'époque de Robespierre, euh, et qui avait gagné la confiance de Napoléon en Italie d'abord, en Égypte surtout. Ensuite, c'est lui qui a fondé l'Institut d'Égypte. C'est d'ailleurs en souvenir de cela que Napoléon le fait, comte de Péluse. Péluse, c'est en Afrique du Nord, et ça a été un des événements pendant la campagne d'Égypte. Donc il l'a désigné sénateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il ne savait pas encore, le brave manche, c'est qu'il allait devenir sénateur de Liège, c'est-à-dire que les sénatories n'ont été établies qu'après euh, le Sénat. On a décidé d'octroyer à chacun des sénateurs un territoire. Et euh, Monge a donc été désigné euh, pour Liège, et Liège couvrait euh, plusieurs départements, l'Ourte, et meuse et la Meuse inférieure, il y avait trois départements, il faut bien se dire que c'est à peu près aussi grand que la Wallonie, les trois départements euh, en question. Et donc sa mission première, c'est relancer au maximum les manufactures d'armes et singulièrement la fonderie de canons. La fonderie de canons... Se trouvait au quai de Saint-Léonard. Elle avait été fondée quelques mois auparavant par un industriel parisien qui s'appelait Perrier. C'est assez amusant parce que ce Perrier euh, était le, le, le grand-père de celui qui allait devenir président de la République en 1894, 100 ans plus tard. Et ce Perrier, qui ne manquait pas de moyens, euh, installe donc une nouvelle usine pour y faire des canons, ce qui ne s'était jamais fait avant, à Liège en tout cas. Et euh, il est fortement, fortement subventionné par le gouvernement. Euh, il reçoit plus d'un million huit cent mille francs de l'époque pour euh, monter cette fabrique de canons de la part du gouvernement. Et les travaux durent. Monge est obligé d'intervenir en permanence pour accélérer les choses. Mais ça ne se passe pas bien, malgré les moyens qui sont mis. Euh, il faut savoir que. On construit de vastes ateliers et de fourneaux qui permettaient de forer 20 canons à la fois. Euh, mais rien ne se passe comme prévu. Les ouvriers ne sont pas vraiment à la hauteur. Les fontes ne conviennent pas et ne résistent pas euh, pour les canons. Donc ça ne va pas du tout. Et l'accumulation de tous ces problèmes techniques empêche finalement Perrier euh, de réussir son coup. Il jette le gant et c'est l'État qui est obligé de reprendre la fonderie qui devient donc fonderie de la République d'abord, fonderie impériale de canons euh, ensuite. Et l'État confie au ministère de la Marine la gestion euh, de la fonderie de canons, car euh, essentiellement ce sont des canons de marine qui sont euh, fabriqués à Liège, donc pour les batteries de marine et pour la flotte, pour les vaisseaux de guerre. Et pendant tout le séjour de Monge à Liège, euh, en, sur l'automne 1803 et le début de l'hiver 1804, euh, Napoléon et lui entretiennent une très nombreuse correspondance. On sent que l'empereur souhaite que les choses avancent et qu'il euh, y ait une production à la hauteur de ses espérances. Ce n'est pas le cas. Donc il passe son temps à Engueuler Monge, qui est pourtant un copain à lui, mais euh, le ton est assez dur. Et finalement, euh, il décide de le rappeler à Paris et. Il passe à autre chose, il faut dire aussi qu'il doit préparer sa campagne d'Autriche à ce moment-là, il a autre chose en tête. J'en profite pour faire une incise sur la place de Liège dans la correspondance de Napoléon. Vous savez que la correspondance de Napoléon a été publiée maintenant en intégralité par la Fondation Napoléon, ça fait 15 volumes quand même, c'est assez impressionnant. Et euh, je me suis lancé dans un petit travail, mais qui est loin d'être fini en essayant de relever chaque fois que le mot liège apparaissait dans une des lettres de l'empereur. C'est un travail important, j'espère arriver à le terminer un jour, mais je peux déjà vous dire qu'il y a deux aspects, en tout cas, dans cette correspondance qui euh, est marquante. La première, nous en avons déjà parlé, c'est évidemment l'importance de l'industrie liégeoise et singulièrement l'industrie d'armement qui revient de façon récurrente dans cette correspondance. Et la deuxième est un peu plus étonnante. C'est que euh, Napoléon, qui était quand même un fin stratège, comme c'est tout un chacun, euh, a tout de suite perçu l'importance de la place stratégique de Liège. Or, il était sans illusion à cet égard-là, puisqu'ayant visité la citadelle, il savait que la ville était quasi indéfendable, de par sa configuration physique tout simplement. Et donc, euh, il voyait Liège comme étant le chemin des invasions. Et comme c'était un homme prévoyant, il avait pensé qu'une armée ennemie venant du nord-est pouvait envahir la France par le couloir de Liège, le chemin de Liège qui menait à Bruxelles et puis à Reims et puis à Paris finalement. Et donc à plusieurs reprises dans ces, dans ces échanges de correspondance, singulièrement avec le ministre de la Guerre, le, Feltre, le duc de Feltre, le général Clark, notamment en 1810 et 1811, il revient très longuement sur ces aspects-là euh, en disant mais il faudra donc, puisque Liège ne serait pas arrêté l'ennemi, il faut concevoir des forteresses au nord et au sud de Liège, au nord-est et au sud-est de Liège, pour euh, empêcher qu'une armée ennemie entre trop facilement en France euh, par Liège et c'est effectivement ce qui se passera en janvier 1814, comme vous le savez, d'ailleurs en août. 1914, c'est exactement comme ça aussi que ça se passera. C'est chaque fois Liège qui est en tête de pont pour une armée ennemie venant de l'Est. Il faut d'ailleurs dire que Napoléon a donné à Liège, outre le fait que c'était la préfecture, que c'était le siège de la 25e division militaire, une série d'autres postes officiels extrêmement importants. Et le premier d'entre eux, évidemment, c'est le fait que Liège... Voilà, voilà la fonderie de canon un peu plus tard, vers 1825, mais pour vous donner une idée de la configuration de ce qui était cette usine. C'est que Liège devient une bonne ville de l'Empire. Il y a 36 bonnes villes sur le Grand Empire. Le Grand Empire, en 1810, part du nord de la Hollande et de la mer Baltique pratiquement, et descend jusqu'à Rome. Euh, au sud, et par des provinces illyriennes, c'est-à-dire le nord de la Yougoslavie, jusqu'au Finistère et Barcelone. Donc, le Grand Empire, c'est vraiment un ensemble extrêmement important et impressionnant. Il y a 36 bonnes villes, et Liège est 13e dans l'ordre de préséance qui est établi officiellement. En fonction de sa population, Liège compte 50 000 habitants à cette époque-là. Et euh, nous sommes derrière Bruxelles, Gand ou Anvers, mais devant Aix-la-Chapelle, devant Montpellier, devant Mayence. Et à ce titre, la ville est dotée d'armoiries impériales que vous voyez ici, et la lettre patente qui octroie ces armoiries est au, exposée au Grand Cursus. C'est un diplôme de juin 1811. Mais Liège est aussi le siège d'une cour d'appel, et elle l'est toujours le siège d'une cour d'appel. Et ça n'a jamais cessé depuis cette époque-là. Il faut savoir que pour l'ensemble des départements réunis, il n'y a que deux cours d'appel, Bruxelles et Liège à l'époque. Nous sommes également, c'est plus anecdotique, mais néanmoins, nous sommes le siège, Liège est le siège de la 17e légion de gendarmerie, il n'y a que 34 légions de gendarmerie sur l'ensemble du Grand Empire, et la 23e conservation des eaux et forêts, c'est une administration qui a été créée par l'Empire, les eaux et forêts. Euh, et il n'y en a que 27 sur l'ensemble du, du Grand Empire, et ça couvre évidemment plusieurs départements. Ça ne couvre pas que simplement le département de l'Ourthe. Alors arrive le deuxième préfet, j'ai parlé du premier préfet des Mousseaux tout à l'heure. Napoléon désigne ensuite le baron Micou Dumont, qui lui sera beaucoup plus intégré et beaucoup plus aimé des Liégeois. Micou Dumont, c'est issu d'une famille du Dauphiné. Il est né à Grenoble. Il a fait une très belle carrière d'abord au ministère de la Marine. Et puis, euh, il occupe donc ce poste. Il arrive donc en avril 1806 et il occupe le poste jusqu'à la fin, jusqu'à janvier euh, 1814. Et après, euh, lors des 100 jours, le, Napoléon le redésigne préfet. Dans le département de l'Aisne, mais évidemment, ça ne dure pas très longtemps, et Louis XVIII le renvoie euh, à sa retraite. Et Monseigneur Zaffel, qui décède, ben, il faut bien remplacer, il faut un nouvel évêque. Le problème, c'est que la situation a complètement changé. Napoléon s'est disputé avec le pape de façon grave, puisqu'il a fait occuper Rome et puis annexer Rome. Et Picette est prisonnier. Il est déporté à Savone, où il est en résidence surveillée, et évidemment, il se venge. Il se venge en refusant l'investiture canonique à tous les évêques que Napoléon désigne dans les différents diocèses de l'Empire qui sont libres. Et c'est le cas de Liège, évidemment, après la mort de euh, Mgr Zapfel. Et il désigne un certain Lejas, qui était euh, chanoine euh, à Notre-Dame de Paris. Et il faut savoir que Lejas avait rendu un très grand service à Napoléon, puisque euh, Napoléon, à un moment donné, a décidé, pour des raisons dynastiques, de se séparer de son épouse Joséphine de Beauharnais. Il fallait donc divorcer, et euh, c'est Monseigneur Lejas qui a monté tout le dossier canonique permettant la rupture euh, canonique du mariage religieux euh, de Napoléon. Et en remerciement de ce service rendu. Napoléon l'a donc désigné évêque de Liège. Le problème, c'est que n'ayant pas l'investiture canonique, euh, on l'attendait avec un tromblon, si vous me permettez l'expression, au chapitre cathédral de Liège. Il a été très mal reçu, on a considéré qu'il n'était pas évêque, et donc il n'y a pas eu de collaboration entre les hauts dignitaires de l'Église catholique et lui, ce qui ne l'empêchera pas de prendre son poste, de l'occuper, d'y travailler jusque la fin, jusque 1814. Il a d'ailleurs in fine reçu cette fameuse investiture canonique, mais après, après juin 1815, et malheureusement pour lui, il n'était plus en honneur de sainteté, si vous me passez cette expression, auprès du roi Louis XVIII, il a été obligé de s'expatrier, et où s'est-il expatrié Il est revenu en Belgique, où il a vécu le reste de ses jours à Bruxelles, il est enterré au cimetière des Verts, le malheureux Lojas. Et puis Napoléon revient une deuxième fois, mais plus avec la même femme. Nous sommes en novembre 1811 et il vient avec la nouvelle impératrice Marie-Louise. Le problème, c'est que les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même façon qu'en 1803. D'abord pour des raisons bêtement météorologiques. On est au mois de novembre. L'empereur et l'impératrice viennent d'Aix-la-Chapelle ils arrivent de nuit, enfin fin de journée, mais il fait déjà noir il fait froid il pleut. Il euh, n'y a pas grand monde sur le, sur le trajet pour l'accueillir. Les gens sont venus, mais avec le froid et la pluie, ils sont repartis. Et donc l'accueil n'est plus du tout, du tout, l'accueil absolument enthousiaste qui avait été connu euh, en 1803. Et le lendemain, preuve de l'intérêt manifeste de Napoléon, que va-t-il visiter Il va visiter la fonderie impériale, la fonderie de canon. Et là-bas, on lui fait la visite, euh, on coule d'ailleurs une grande euh, plaque de, de bronze commémorant cette visite. Je ne sais pas, je me tourne vers Jean-Marie, si on sait où est encore cette plaque de bronze. Elle était encore quand on a construit l'Aténée de Liège 2, euh, elle était encore là, et depuis, elle a disparu. Mais je voudrais bien qu'un jour, on retrouve cette plaque que vous voyez sur le dessin ici, qui n'était pas une petite plaque, c'était quand même quelque chose de... D'assez majestueux. Et Napoléon est très, très content de cette visite de la fonderie impériale. Il décide d'octroyer des gratifications à tous les ouvriers. Et je voudrais ici rendre un petit hommage à un ami qui n'est malheureusement plus là, feu le professeur Jean-Patrick Duchesne. Il y a quelques années, Bruno doit s'en souvenir, nous avions su. Que, euh, une représentation inconnue jusqu'alors de cette fameuse visite impériale à la fonderie de canon euh, était sur le marché. elle était mise en vente publique et jean-patrick aurait voulu l'acquérir pour les collections artistiques de l'université. et malheureusement, euh, la loi a joué contre nous puisque l'état français l'a préemptée et l'œuvre est maintenant au musée napoléon du château de fontainebleau. Euh, mais elle est très représentative de l'imagerie euh, impériale sur un événement qui n'a pratiquement pas été représenté. Les deux, les deux illustrations que je viens de vous montrer sont les deux seules connues de cette visite à la fonderie de Canon. Et alors il y a un événement assez malheureux mais très important pour Liège qui intervient au, au début de l'année 1812, c'est l'affaire de la catastrophe de la houillère de Beaujon. La houillère de Beaujon est située euh, à Anse et en février 1812, il y a un coup d'eau, comme vous savez, dans les mines, qui euh, bloque dans la mine 127 mineurs. Et on n'arrive pas à les faire sortir, on travaille pendant cinq jours et cinq nuits pour essayer de les faire sortir. Et un homme joue un rôle tout à fait capital pour sauver un maximum de mineurs. En réalité, il en sauvera 70 sur les 127. C'est Hubert Goffin. Hubert Goffin était maître porion à la mine de Beaujon. Et avec son fils qui n'avait que 12 ans, il se retrouve enfermé dans la mine. Et à force de discipline et d'efforts, il réussit à faire sortir 70 de ses camarades de la mine. Et donc, euh, on sait maintenant comment Napoléon a été précisément informé de cet événement. Et on le sait comment On le sait par les souvenirs qu'a laissés un des domestiques de Napoléon, qui est resté célèbre sous le nom de Mamlouk Ali. Mamlouk Ali, il n'était pas plus Mamlouk que vous ou moi. Il s'appelait Louis-Étienne Saint-Denis, il était originaire de Versailles, et il était piqueur aux Tuileries. Et il a eu, il faut bien reconnaître son mérite, euh, le, le courage de rester fidèle à l'empereur jusqu'à la fin. Donc il l'a accompagné à l'île d'Elbe. Il l'a accompagné à Sainte-Hélène jusqu'à la mort, jusqu'en mai 1821. Il est un des personnages qui est au pied du lit de l'empereur lorsqu'il meurt le 5 mai 1821, à 6 ans moins le quart. Et pourquoi ce qu'on appelle le Mamelouk à lui, me direz-vous Car le Mamelouk, ben, c'était Roustam, bien connu, ramené de la campagne d'Égypte par Napoléon. Et ce fait que Roustam n'a pas été très élégant, en avril 1814, à Fontainebleau, au moment de l'abdication, il s'est sauvé du château en emportant une somme considérable en or, on ne l'a plus jamais revu. Et donc, pour le protocole, il fallait un Mamelouk auprès de l'empereur. Et donc, on a dit à Saint-Denis Tu seras Mamelouk. Et dorénavant, on t'appellera Mamelouk Ali. Et il est resté sous ce nom jusqu'à la fin. Il a donc laissé un livre de souvenirs où il écrit ceci À un dîner de famille, qui avait lieu régulièrement, souvent le dimanche aux Tuileries, la reine de Naples, la princesse Pauline, la reine d'Espagne, la reine Hortense, madame Mère et le cardinal Fesch étaient à table. L'empereur venait de recevoir une lettre d'un préfet qui lui donnait connaissance qu'un nommé Goffin avait sauvé plusieurs ouvriers d'une houillère qui s'était refermée. Cette lettre donnait le détail de tous les incidents qui étaient survenus avant qu'on fût parvenu à l'endroit où les malheureux ouvriers étaient ensevelis. Pendant tout le dîner, on ne cessa de parler de cet événement et chacun fit l'éloge du courageux dévouement de Goffin. L'empereur décida d'octroyer la croix d'honneur à ce brave homme. Et effectivement, par décret du 12 mars 1812, donc ça n'a pas traîné, Napoléon décide d'octroyer la légion d'honneur à Hubert Goffin et c'est un événement. Pour la première fois, un simple ouvrier va recevoir la légion d'honneur. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un magistrat, ce n'est pas un ecclésiastique, ce n'est pas un bourgeois ou un industriel. Non, c'est un simple ouvrier. Et il faut y voir un, à la fois euh, une, une reconnaissance, évidemment, par rapport au monde ouvrier de la part de Napoléon, mais aussi, disons-le, l'intelligence de l'homme politique qui a tout de suite compris qu'il marquerait les esprits du peuple en octroyant cette légion d'honneur à un simple ouvrier. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Vous connaissez tous ce tableau qui figure dans le grand escalier de l'Hôtel de Ville de Liège, qui est un tableau géant. On n'a jamais su le sortir de l'Hôtel de Ville. Il y est là depuis 1812. Euh, et qui représente de façon un peu, disons, académique, euh, la remise de la Légion d'honneur par le préfet euh, Micou Dumont à euh, Hubert Goffin. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'époque, la Légion d'honneur ne se... Euh, ne s'accrochait pas aux vêtements du légionnaire. Elle était remise de la main à la main. Ce n'est que plus tard que la tradition d'accrocher la Légion d'honneur euh, à l'uniforme ou à l'habit du légionnaire euh, s'est instaurée. Il y a une autre gravure qui représente la chose, qui est un peu plus naïve, mais qui correspond sans doute plus euh, à la réalité de cette cérémonie euh, de remise de la Légion d'honneur. Il y a une première chose importante qui est tout à fait dans la ligne de cette politique que je viens de décrire. C'est qu'à la suite de la catastrophe de la mine de Beaujon, le préfet Midcou Dumont a l'idée de créer une caisse de prévoyance en faveur des mineurs et des familles victimes des accidents de la mine. Et l'empereur suit la proposition du préfet. Il signe un décret le 26 mars 1813 qui crée cette caisse de prévoyance pour les mineurs euh, de Liège. Le système était assez simple. Les mineurs opéraient une retenue volontaire de 2% sur leur salaire mensuel et les patrons euh, prenaient 0,5% de l'ensemble de la masse salariale de tous les ouvriers pour alimenter cette fameuse caisse qui était gérée sous la présidence du préfet, euh, notamment par les ouvriers, puisque notamment Hubert Goffin était le représentant ouvrier dans... Cette caisse de sauvegarde, cette caisse de secours est considérée comme la toute première expérience de sécurité sociale dans l'histoire au monde. Donc, ce n'est pas banal. Et vous voyez que les événements s'enchaînent et s'emboîtent parfaitement les uns par rapport aux autres. Mais les événements, les événements parlent d'eux-mêmes. C'est d'abord la catastrophique campagne de Russie en 1812. C'est la non moins catastrophique campagne d'Allemagne en 1813 et après la défaite de Leipzig en octobre 1813, à Liège, les choses commencent à tourner mal. Une série de fonctionnaires décident de renvoyer leurs familles dans ce qu'on appelait la vieille France, l'ancienne France. Euh, les conscrits désertent par bande entières, et euh, Napoléon décide, mais un peu tard, de désigner des commissaires spéciaux dans tous les départements qui sont à la frontière et qui voient arriver les Russes et les Autrichiens et les Prussiens euh, aux, aux frontières. Et c'est une fois de plus le brave monge qui est chargé par Napoléon d'essayer de sauver la situation à Liège. Bien entendu, c'est une mission quasi impossible. Euh, monge est chargé d'accélérer euh, la levée des conscrits d'équiper les troupes, d'approvisionner les places fortes, d'assurer les réquisitions nécessaires, tout cela est quasi impossible pour lui. C'est trop tard. Et d'ailleurs, le 11 janvier, Monge écrit au général baron Merle, qui est le dernier commandant de la 25e division militaire. Il écrit, avant d'armer les peuples, il faut être sûr de leur dévouement. Or peut-on, sans un véritable aveuglement, Croire à celui de la plupart des départements nouvellement réunis Non, sans doute. Et l'armée recule d'Aix-la-Chapelle. C'est le maréchal Macdonald, duc de Tarente, qui est le commandant en chef du 4 corps. Et contre les ordres formels de l'empereur, il décide d'évacuer Liège. Et c'est ce qui se passe le 18 janvier 1814. L'armée part, les hauts fonctionnaires partent, le préfet part, l'évêque part aussi, et tout le monde se retrouve le soir du 18 janvier à Namur, et on ne reviendra jamais à Liège. Deux jours plus tard, les Prussiens du général Bulot entrent dans la ville. C'est fini. L'épopée napoléonienne pour Liège, c'est fini. Et puis très vite, ben, que font les Liégeois ben, ils le suivent à travers, à travers les journaux, évidemment. Les journaux changent de titre, mais le contenu, lui, reste le même. Et donc, euh, il apprend par un numéro spécial des 18 et 19 avril 1814 l'abdication de l'empereur à Fontainebleau. Puis, ben, on n'entend plus beaucoup parler de l'empereur. Il est à l'île d'Elbe, personne ne sait comment les choses vont se tourner. Et puis, c'est la stupéfaction. Le 11 mars 1815, le Journal de Liège annonce que l'empereur a débarqué à Golgeon le 1er mars 1815. Ben, on se dit, c'est n'est pas possible, il est là avec sa petite garde personnelle, que va-t-il faire Seconde stupéfaction, 15 jours plus tard, le Journal de Liège du dimanche 26 mars 1815 annonce que Louis XVIII a quitté Paris et que l'empereur est rentré aux Tuileries. Le 20 mars. Et puis c'est les 100 jours. Et on sait comment ils se terminent, les 100 jours. Ils se terminent malheureusement à Waterloo le 18 juin 1815. Et là, les Liégeois l'apprendront avec un certain retard, puisque le journal de Liège, qui l'annonce, n'est daté que du 23 juin, sur base d'une dépêche de Bruxelles qui est datée du 20 juin. Donc on est déjà cinq jours après la bataille. Et puis, bien entendu, c'est la seconde abdication, c'est le départ pour l'île d'Elbe, et enfin, c'est la mort de l'empereur le 5 mai 1821. Les Liégeois l'apprendront. Ils l'apprendront sur base d'une dépêche qui est datée de Londres du 6 juillet 1815, qui est publiée dans le journal de la province de Liège du 11 juillet 1821, soit plus de deux mois après. La mort de l'empereur effective les liégeois garderont la mémoire de l'empereur ils ne l'ont jamais perdu ils l'ont toujours aujourd'hui et votre présence aujourd'hui en est bien la preuve il faut savoir que pendant tout le 19e siècle nos ancêtres les grands-parents de nos grands-parents le grand-père de mon grand-père était dans les armées impériales euh, se sont fédérés en groupement d'anciens combattants, un peu comme ça s'est passé après la guerre de 14 et après la guerre de 40, et ils ont créé des sociétés, et notamment celle de Liège appelée la Société des anciens frères d'armes de l'Empire français à Liège. Ces gens se voyaient, ils organisaient des banquets et ils allaient aux enterrements les uns des autres. Forcément, les uns après les autres disparaissaient. Et vous voyez ici un faire-part qui annonce la mort du Hussard Rousseau, qui était chevalier de la Légion d'honneur. Et qui est mort le 19 mai 1864. De la même façon, dans la ville, ben, sont restés des toponymes, quand même, qui gardent les, le souvenir de cette époque. Le quai Bonaparte, qui n'est dans les fêtes que la survivance du faubourg Bonaparte, qui avait été décidé par Bailly en 1803. La rue Marengo, qui se trouve dans le quartier Saint-Léonard. Marengo, une des plus célèbres batailles de Napoléon en juin 1800, et bien entendu la grande plaque de bronze qui figure sur le musée d'armes, l'ancien musée d'armes, et qui rappelle les deux visites de 1803 et 1811. Et enfin, dans l'âme du peuple liégeois, quoi de plus populaire que les marionnettes liégeoises Très tôt dans le 19e siècle, Napoléon devient un personnage. Du théâtre de marionnettes liégeoises. En voici une qui a été récemment restaurée et qui figure au Musée de la Vie wallonne. Et je terminerai par ce point un peu, un peu folklorique de la présence de Napoléon à Liège. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention.